polosa et simba lisute pour makam na moni kuna baton ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sang comme il faut place no always at sous te ah oyoki ay quitter polosa on na ba cha na kale na lomo na ke kuna na ke kuna là va on nous on en arrange non. Comment pour vraiment. Qui sait quoi? Et en plus, il y a des gens qui sont partout en Europe, dynamique, qui sont partout en Europe. Comment pour que mon salaire est commis partout? Partout. Tu es commis en Suède, tu es commis à Paris, tu es commis à Lille, tu es commis à Bruxelles, et puis base de la vie suédoise est toujours Londres, Angleterre. Bisson à dynamique Congo, deux ans pour avancer dans le colo. Chers internautes, bienvenue. Merci de nous suivre. Deuxième partie, c'est un grand honneur de savoir que vous suivez cette émission. Chez vous, à la maison, vous la partagez avec la famille, vous la partagez avec les amis. C'est un grand honneur. Deuxième partie, nous la consacrons pour décortiquer la lettre du FCC. Cette lettre d'indignation, le FCC s'indigne du comportement de Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche en réalité? C'est ce qu'on va essayer de voir. C'est aussi ce que dit la prospérité, la RDC, le FCC convie Tshisekedi à maintenir une attitude constructive et non conflictogène. Le FCC demande à Fatshi d'installer les institutions. C'est Forum des As. Alors on va lire ce que dit le FCC. Mais point de besoin de que je le lise, vous le lisez. Et Homo Fortus va nous aider à vous présenter, à afficher les trois pages de ce communiqué. Avant de passer les trois pages de ce communiqué, laissez-moi vous parler aussi des informations. Vital Kamerhe refuse au président de retirer ses propos qui veut que le système dictatorial soit déboulonné. Au Kasaï oriental, aucun candidat gouverneur n'a présenté son projet de société devant les députés provinciaux. Salomon Didas, Kabamba dénonce. Hein, voilà. Donc je dois dire aux Congolais aussi que vous avez suivi les discours au Katanga. Le discours du candidat Zoé Kabila. Vous avez suivi le discours. Alors, aujourd'hui, parlons du FCC. Alors, Homo, s'il vous plaît, montrez-nous les trois pages et on se retrouve tout de suite. N'est-ce pas que ça fait rire par moment? Lorsque vous lisez la lettre, vous comprenez des choses et des choses. Moi, je ne prendrai que deux paragraphes. Deux paragraphes. D'abord, il faut dire que l'introduction est bonne. Hein, l'introduction du FCC est vraiment bonne. C'est respectueux, c'est très bien. Mais là où il manque du respect, c'est là où on dit le Front commun pour le Congo regrette cependant la teneur de certains propos militants tenu par le chef de l'État à l'occasion de cette visite, sollicitant l'appui d'une puissance étrangère pour, selon lui, déboulonner le système dictatorial. Je dis que ce sont des propos grossiers, discourtois et déplacés. Parce que notre Constitution interdit au président d'être militant, d'arrêter tout exercice politique dans un parti politique. Et donc, le président de la République n'est plus de l'UDPS, bien qu'il soit venu de l'UDPS, mais il a arrêté d'être un membre de l'UDPS jusqu'au jour où son mandat va s'arrêter. Et comment vous allez dire à un président d'avoir des propos militants? C'est déjà grossier. En réalité, c'est vous qui avez des propos militants. C'est vous qui avez une attitude de militant, parce que voilà que vous défendez une cause perdue d'avance. Vous reprochez à un homme d'avoir dit qu'il va déboulonner un système dictatorial. Si vous lui reprochez cela, donc vous êtes d'accord avec la dictature. Ça vous met à l'aise la dictature. Parce que je crois qu'en tant que citoyen, en tant que républicain, nous ne pouvons pas accepter la dictature. Et tout celui qui se bat contre la dictature ou qui combat la dictature devrait en principe avoir notre soutien. On devrait en principe le soutenir. Le président de la République n'a pas dit que
Je me battrai contre le système dictatorial imposé par M. Kabila ou par le FCC. Il ne vous a pas cité. Il a parlé du régime précédent. Mais c'est quoi le régime précédent? Votre régime n'est pas différent de celui de Kabila, pardon, celui de Mobutu. Vous êtes tous des prédateurs. Vous avez tous été des prédateurs. Donc je comprends que ça vous énerve. Je comprends que ça vous offusque. Et je suis d'accord avec Vital Kamerhe. Vous ne pouvez pas retirer ces propos, monsieur le président. Ne vous expliquez même pas là-dessus. Poursuivez votre but. C'est tout. Aujourd'hui, ceux qui ont dérangé le pays se trouvent comme des rats. Des rats dans un navire. Au coin, ils n'attendent qu'à être jetés à l'eau. Et il faut dire la vérité à ces gens-là. Vous ne faites pas peur au président, parce que nous, nous allons l'aider. Nous nous sommes donné la mission de l'aider à vous déboulonner. Nous allons changer de fusil d'épaule le jour où il va être avec vous, ou le jour où il vous soutiendra. S'il vous soutient politiquement, on est d'accord. Mais s'il vous soutient pour vous protéger des représailles, alors là, on ne sera pas d'accord avec lui. Et donc, cette question, moi, je ne la trouve pas sérieuse, alors vraiment pas du tout sérieuse, parce que ce n'est pas bien des propos pareils. Et voilà, encore, vous dites encore quelque chose. Vous allez lire quelque part, on dit, bon, c'est depuis l'entrée de l'AFDEL, depuis 1999, c'est où encore? Voilà, il est là. Le Fonds commun pour le Congo regrette, par ailleurs, l'approche tendancieuse visant à instrumentaliser les valeurs républicaines, telles la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Non mais, mes frères, entre nous soit dit, dites-moi depuis 2001 jusqu'aujourd'hui en 2018, dans votre gouvernance, quel est le ministre qui a été jeté en prison pour avoir corrompu? Citez-nous un seul ADG que vous avez mis, vous avez arrêté parce qu'il avait corrompu ou il était dans la corruption. Si vous nous citez ces noms-là, on va voir, on va aller plus loin pour voir. C'était quelqu'un de l'opposition, c'était quelqu'un proche de l'opposition. Vous avez été une sorte de couverture pour la médiocrité. C'est vous qui l'avez insensé. Insensé, je veux dire. Mais maintenant, regardez. Lorsque quelqu'un vient pour dire non, non, nous allons lutter contre ça, contre la corruption, comment vous dites qu'il instrumentalise les valeurs? Et quand les gens disent ça, je comprends que vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire, instrumentaliser une valeur. Une valeur, on ne l'instrumentalise pas. Non, une valeur est à une onction, elle est ouinte. Une valeur est ouinte, et une valeur ouinte, on ne peut pas l'instrumentaliser. Comme la vérité. Qui peut instrumentaliser la vérité? Qui peut instrumentaliser la justice? Vous ne pouvez pas. Ou vous mentez, ou vous commettez l'injustice, mais vous n'avez pas instrumentalisé l'injustice et la vérité. Donc ceux-là qui parlent de l'instrumentalisation des valeurs ne savent même pas c'est quoi une valeur, en réalité. Parce qu'ils ont passé toute leur vie en défendant un système antidémocratique. Et je comprends pourquoi ça fait mal. Et voilà pourquoi ils vont plus loin pour dire non, alors que ces valeurs sont partagées par le FCC depuis l'avènement de la révolution du 17 mai 1997. Quand j'avais dit aux Congolais ici que le FCC n'était que l'AFDEL, personne ne m'avait cru. Vous avez vu vous-même la consécration. C'est eux-mêmes qui reconnaissent que le FCC est en réalité le PPRD. Pardon, est en réalité l'AFDEL. Et je le dirai dans mon analyse de tout à l'heure. Bon, et puis ils vont dire les choses. Mais là où ça me fait rire, hein, là où ça me fait rire, c'est lorsque... voilà un autre paragraphe. De tels résultats contrastent sans aucun doute avec la gabegie financière stigmatisée par le président de la République sans aucun soubassement, virgule. On s'arrête là. Ils disent au président, le président a parlé de la gabegie financière sans soubassement. Mais regardez, le soubassement du président de la République, c'est la misère du peuple. Lorsque vous parlez dans votre discours ici, je vois ici, le FCC a fait ceci, a fait cela, je vois des chiffres, hein, 26 millions de dollars, taux d'inflation, trois chiffres. Mais la misère était là. On a eu la pauvreté la plus grande. En 1997, avant que l'AFDEL n'entre dans ce pays, en 1997, on était en train de baisser, c'est vrai. On avait gardé la 16e position, la 17e position, la 18e position. Mais vraiment, on était au niveau de la 10e. Mais avec vous, le FCC, c'est-à-dire l'AFDEL, vous nous avez amenés jusqu'au 2e, avant-dernier. Ça, vous avez oublié ou quoi? Vous avez le nombre d'enfants dans la rue le plus élevé au monde, 7 millions d'enfants. Vous avez le nombre des analphabètes le plus élevé au monde. Vous avez le nombre de malnutris le plus élevé au monde. À quoi servent vos chiffres? À quoi ça sert vos chiffres là? Non, 10%, 15%, ça sert à quoi? À rien. La matérialisation d'un système économique réussi, c'est la satisfaction primaire.
C'est là le problème, c'est il faut que les gens mangent, il faut que les gens boivent, il faut que les gens soient en contact avec leurs richesses. Mais vous ne l'avez pas fait pendant 18 ans. Et vous n'avez pas honte de venir dire à des gens qui ont fait 2 mois seulement, qui nous ont montré que PTNTIC pouvait rapporter beaucoup d'argent. Qui viennent aujourd'hui, ils disent, on va annuler, comment on appelle, le GoPass. Qui viennent aujourd'hui, ils remettent les choses à la pendule, là où vous avez détruit. Oh, attendez une seconde, il faut être gentil quand même, non? En principe, vous auriez pu le remercier au lieu de les critiquer inutilement. Mais voilà là où vous aussi vous péchez. Vous dites par contre, la gestion économico-financière de notre pays depuis 2 mois, non seulement s'est faite en version de la Constitution et au mépris des textes légaux, mais laisse aussi apparaître des tendances réellement préoccupantes qui devraient faire l'objet de conditions idoines et urgentes. J'aimerais bien que vous puissiez aussi avoir des soubassements. Ayez les soubassements. Quel est l'article de la Constitution qui a été violé par ce régime depuis Bakoti? Depuis Bakoti. Bah violé l'article Lénine. Et vous commettez encore une autre faute quand vous dites non, on attend par contre les installations et les installer. Qui a freiné l'installation de ces institutions? Qui a freiné ça? Qui a freiné ça? Mais c'est vous-même, vous êtes bloqué par votre corruption vous-même. Ça c'est des 1, des 2. Vous demandez le Premier ministre, mais laissez-le nommer un informateur. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi vous avez peur qu'on nomme un informateur? La constitution dont vous parlez aujourd'hui, qui l'a tripatouillée en 2011? Qui l'a tripatouillée en 2011? Qui était la constitution à son nom et à sa taille? C'était pas vous? Et aujourd'hui, vous voulez la protéger? Mais quand vous demandez au président de nommer directement un informateur, vous-même, quand vous le demandez ça, ne voyez-vous pas que vous êtes en train de le demander de violer la constitution? Ah non, c'est méchant, hein. C'est méchant. Donc vous avez vous-même lu. Eh mais j'ai oublié. Kuna bokomo na kombo bien te. Non, est-ce que le nom là il m'a ni kuna. Botanga ba kombo bien, attends, il a bien ba kombo na bango. Ba kombo oyo. Il y a ba droit pour ça, biso ba leçon les lots. Les gens qui nous donnent des leçons. Yoka ba kombo na bango. Ils étaient tous des opposants pour la plupart des cas. Et bien les baki ba opposants. José Makila Soumanda. Ba propos les belé hein, sur Kabila. Michel Bongongo, Ikoli, Pius Mwabilu, Eugène Seroufouli, Katende, Nemoyato, Ingele Ifoto. Entendez maintenant? Entendez ça? Hein? Kambinga Germain. Oh, je ne comprends pas. Je crois que c'est Edouard. Edouard. Mbambu Mouyo Mugole, Gisèle, Thomas Loaka, Ramadan Ishadari, un ancien de l'UDPS. Ramadan Ishadari, Boulambo Kilocho, Lou Gigizenga, Julien Paluku Kainda, Constant Mutamba, Burumbu Mazang. Ramadan Ishadari, coup de chapeau, vous étiez le troisième dans l'élection de M. Lekaki, la présidence. Ah. Bandeko, Ezanini en réalité. Vous avez là un groupe, il y a pas dévoilé. Un groupe, il y a un affamé, il y a FCC, il y a un pouvoir, il y a un affamé et des pervers politiques, il y a une constance, beaucoup plus de transhumant, il y a un recherché le souffle et une petite part de soleil. Mais ces gens-là s'arrogent aujourd'hui le droit de nous faire des leçons. Le propos de Félix de déboulonner un système dictatorial, et a motivé un combat à Bango. L'UDPS s'est battu pendant 37 ans, à côté du MLC, à côté des autres partis de l'opposition qui n'ont pas encore traversé, Babunda pour que installer démocratie dans Mboka, état des droits dans Mboka. Alors quand un monsieur devient président, qu'est-ce qu'il dit? Je vais déboulonner le système dictatorial. Parce que c'est le système qui les avait combattu. C'est le système qui les avait oppressés. Il faut le déboulonner. Et puis c'était appelé à cœur. Écoute, on a dit déboulonner le système. Moi j'entends ça autrement. J'entends ça un peu comme pour dire Bana Kinshasa na yoki bino bolobina kangaye na yoki. C'est un peu ça. Je vais déboulonner le système dictatorial. Et là seulement utiliser un autre français. Boganga ki na stade kangela bisoye kangela bisoye. Maintenant il vous répond. Mais non, les certains congolais, je sais pas. Pas changer le mot maloba. Oh te belengi soute. Mais c'est quand même bizarre, non? Vous avez demandé une chose. Maintenant qu'on vous dit on va le faire, vous dites non. Hein, Alexandrine. Oh, mais il veut faire ce que vous lui avez demandé de faire.
Je vais parler de l'historique maintenant. Entre 60 et 65, Bato Balongo na Congo, ils étaient pas beaucoup. Les gens allaient pour étudier, mais on importait les cadres à l'époque. Les gens venaient pour avoir du boulot chez nous, même étudier dans ma moment mobe, dans mon cannabis. De 65, Mobutu va installer la dictature. Et pour des gens qui, c'est à partir de ces moments-là qu'il va beaucoup qui ne coquille Mamboka. Parce que quand Mobutu installe la dictature, il va finalement arrêter les partisans des anciens gouvernements, et ces gens-là ont fait fuir leurs enfants. Et Banda qui a parti Yawana, Exode de Koko Banda parti il y a 65. Parce que de 60 à 65, tout était un peu bien. Mais de 65 maintenant, les choses ont commencé à devenir graves. Les familles des gens ont commencé à fuir pour le Kobanga Makambo. Mbada qui moukie. C'est en 75 que la météo politique commence. Maintenant, c'est détérioré. Après la zaïrianisation, les blancs, c'est bon, ils sont rentrés, c'est vrai. Mais aussi, une bonne masse, comme Oki Masiko. Quand on va aller vers les années 80, l'État est asphyxié. Il y a la pauvreté qui impose sa politique. Vous avez une masse importante de gens qui commencent aussi à fuir. Comme Kima, à partir de 80 ans. Mais la politique, il faut dire, à partir des 90, quand on a Togoyana, moins 20 ans de démocratisation en Afrique, mais comme il m'a bien à Congo, parce que il va être terrible, et les gens ont commencé maintenant à fouiller. Il marche à ma chrétien, il y a la période où on a. Et c'était là la plus grande misère. Il y a des femmes en Europe, il y a des femmes qui sont en Europe, il y a des femmes. Et l'oppression était tellement grande et grave que les gens ont fui. Et les familles nombreuses sont allées s'installer en Europe à partir d'un moment. Vous allez vous rendre compte vous-même, Batobili, hein? Bakenda, Poutouna, 84, 82, 80, 79, 78, 74, Kima, Perodouana. Mais c'est à partir de 96 que l'espoir va finalement être enterré. Lorsque Kabila le père va faire des contrats et des ententes avec des gens qu'on ne connaissait pas, les cadeaux vont être empoisonnés et va alors commencer la plus grande période, il y a exode. Batou bakomo kima na mboka na biso. L'histoire de 96 à 2000, Dieu seul sait combien de Congolais sont partis. Nzambe mokoyebi combien de Congolais kima à partir de 96. Mais déjà à partir de 90, batou bakomo kima. Mais Afrique comme par exemple sous on a potokaté, les Congolais ont commencé à partir même en Afrique. Bakomo kima et belé ba kota Angola pour le Luka Diamant, parce que na Congo vie zaki souté, le rêve s'est arrêté, le rêve a été oublié, les gens n'arrivaient plus à dormir et les gens ont fui. On dit exode wana et comme kima sabatu. Batbagomo kende. Et la haine est restée dans le cœur de ceux qui étaient restés ici, qui n'avaient pas le moyen de partir. La France, l'Europe était devenue comme un rêve. Sur Okepoto, au Biki, au Tigali, au Koufi. Et toutes les familles commençaient à se battre pour envoyer leurs enfants là-bas. Parce que là, il y avait des bonnes infrastructures. Là, il y avait des Makambuya Malunga. Bakende. Tout ça, c'était un régime politique né à Kinango. Et quand Kabila le père arrive, lui aussi nous amène un autre problème. Il nous amène un lot de problèmes avec un petit soulagement. Quand il vient avec le contrat qu'il avait signé, on va encore entrer dans le périple Moko et au Saranaté. Et c'est quand Joseph Kabila qui arrive, alors avec sa gouvernance, il va consacrer la mort du rêve congolais, le désespoir incarné. Et donc la médiocrité faite chair, et l'incarnation même de l'incompétence. Tout ce qui était faible, comme on a le pouvoir. Tous ces gens qui n'avaient absolument rien à dire, Bangoné Batali qui tirait finalement le pouvoir. Son régime a été celui du sacre de la fuite des cerveaux et de la fuite des capitaux. Mais cela a été aussi la normalisation de l'exode. Aller en Europe, comment qu'il luxe n'époque à Joseph Kabila. Il fallait fuir finalement pour vivre là-bas. Et les gens fuient. Les gens ont été nombreux à fuir ce pays. Les gens sont même allés prier pour Nabaki Manambala Longanambok. Ils sont allés prier, s'il vous plaît. Implorer la grâce de Dieu. Demander à Dieu de les aider à fuir ce pays. Et nous avons tous vu ces choses-là. Une normalisation de la chose. Et la gouvernance de Kabila a été finalement une gouvernance où le patriotisme était mort. Le patriotisme est mort, remplacé par les ventriotismes et les pochicismes. C'est-à-dire la gouvernance de la poche et la gouvernance du ventre. C'était là la gestion de Kabila pendant 18 ans, et on peut le dire. Combien de gens sont partis de ce pays? Combien? Dieu seul sait.
On atteint aujourd'hui 18, on atteint aujourd'hui 12 millions. Il y en a qui parlent même de 15 millions de la diaspora à Libanda. Ça veut dire que la population qui est à Kinshasa, c'est qu'au Libanda, il y a beaucoup. Les gens qui ont fui pour aller étudier, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. L'AFDEL va se transformer en plusieurs partis politiques dont le PPRD. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être mettre beaucoup de gens mal à l'aise. Le MPR qui va finalement se transformer en MLC. Et donc voilà un peu le problème de comment on est bêlé. Et les partis vont se détériorer, ainsi de suite. Mais le l'AFDEL, qui, à un moment donné, AFDEL, et comment qui Et là, qu'est-ce que nous avons au parti à Kabila, Kabila, le père avec les Unis. PPC, je crois. Je peux me tromper. PPP, hein. Narobo Sana. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Après, un coup, pouf, Afdel le Longwe, PP, Longwe, Afdel le Komi et le Kouana. Et puis, Longwe, le Kouana est commis. Alliance, il y a majorité présidentielle. AMP. Après, pouf, le Longwe, AMP, est commis MP. Après, pouf, le Longwe, MP, il y a moins le Komi FCC. La même chose. Bon, on a communiqué dans Bango, ils ont repris ça. Et comment qui y a Ngoma? La même chose. Les mêmes occupants. Parce que le Congo a été occupé depuis longtemps, depuis Mobutu. Tu as sous occupation. Kabila le père a été consacré à Ngopenza. Et Joseph Kabila a été consacré à Ngopenza. Et Joseph Kabila a été consacré. C'était là le problème. Il faut dire la vérité aux Congolais parce que ça va être dans l'histoire de nos enfants. Il faut qu'on le raconte cela. À ces enfants-là. Et donc, s'il faut dire maintenant des personnes, que dire de ces personnes sans scrupules? Des personnes qui ont détruit ce pays? Des personnes dont la compétence est vraiment la transhumance et l'inconstance, l'avidité, des gens sans normes, sans éthique, qui ont fait de la faiblesse une qualité et la honte un motif d'enchantement et de gloire. Des personnes qui, finalement, qui nous ont étranglés, qui nous ont étranglés, des personnes qui nous ont aveuglés, des personnes qui se sont, mieux en destructeur. Il y a gouvernance, il y a Mboka. Des gens qui sont restés au pouvoir pendant 17 ans, mais qui n'ont pas même pu relier le Congo en lui-même, qui n'ont pas pu créer des chemins de fer, qui n'ont pas pu électrifier ne serait-ce qu'une seule ville, qui n'ont pas pu servir une ville, il y a Congo, de l'eau potable, mais ils veulent quand même nous donner des leçons aujourd'hui de gouvernance. Des gens qui se sont distingués dans la gabegie financière, dans l'enrichissement illicite, des gens qui ont été riches, plus riches que l'État, ces gens-là aujourd'hui veulent nous donner des leçons. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et le pire dans tout ça, et là, ben, intellectuel congolais. Au moins, j'ai encore quelques minutes. Le pire dans tout ça, c'est que il y a des gens qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui. Mais où ça n'a pas si les années, Bandeko. Ce qui me fait très mal, c'est de voir que les Congolais, comment ils ont propagé l'information à la FCC, communiqué Wana. N'habitez dans quel but ils le font. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais. Les Congolais veulent maintenant attaquer Félix Tshisekedi, l'attaquer lui, alors lui tout seul, et laisser le FCC comme ça. Quand ils brandissent le FCC, quand ils brandissent ça, les communiqués Watambusango, et ils ne savent pas ce qu'ils font en réalité. Vous êtes en train de fragiliser Félix Tshisekedi en donnant la force à Kabila. Et si vous ne comprenez pas ça, je vais vous donner un élément important pour la Boyeba. Et dites-moi ce que vous voulez. Regardez les scénarios. Aujourd'hui, vous fragilisez Félix Tshisekedi. Il est président, n'est-ce pas? Vous le fragilisez. La majorité est au niveau du FCC. Bon, ok. Kabila, na batunaye bayokani. Nous allons maintenant déboulonner. Comme j'ai entendu M. Kenguadondo dire. Bon, à moins que ça va propos n'a été. Mais si ça va propos n'a été, je suis vraiment désolé. Comme M. Kengo dit, par exemple, M. Félix, faites très attention avec les mots que tu utilises, parce que ce sont eux qui vont te déboulonner. Ah donc, M. Kengo, vous étiez dans un Sénat, il y a dictature, et que vous avez cautionné la dictature. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vient vous dire, on va tout faire pour déboulonner le système dictatorial, vous lui jetez l'opprobre. Moi, je suis perdu, hein. Vous lui jetez l'opprobre. Ça veut dire que c'est lui qui vous aide à mettre à terre votre ennemi commun. Vous dites, non, il y a un homme, nous devons nous livrer. On a perdu le sens, on a perdu le nord. Revenons sur vous, s'il vous plaît, Nandela. Parce que regardez ce qui va se passer. Le Sénat au Congo est causé là impérativement un Sénat de Kabila, dont le président du Sénat sera le président issu du FCC. Le président présente l'Assemblée nationale et causé là peut-être Madame Jeanine Mabunda, ce qui a réussi. Et causé là FCC. Ce qui bat ton ami Balé, ça veut dire 250 députés plus 1
55 sénateurs. Ce qui est majorité de l'Assemblée nationale, Bassa et Bélé, 55 sénateurs suffisent. Hein? Ça veut dire 2 tiers. Non, oui, 2 tiers. Il a 55, 250 plus 1 T. Et qu'il n'y a pas si. Qu'il n'y a pas si. Bon, je dis le terme français pour tout comprendre. 2 tiers, il y a parlement d'Abissot. Ce qui va se réunir, va mettre Félix Tshisekedi en accusation. Supposons que plan est réussir, on le met à côté. Vous savez qui vient, qui devient président? C'est le président du FCC. Azongi la présidence. Alors dites-moi, vous vous battez pourquoi? Bon, le bagarre vérité que bon dans le FCC alors. Non, dites seulement la vérité que vous êtes du FCC, on comprendra. Parce que lorsque vous voulez que Félix finalement perde, c'est que vous donnez la possibilité à celui du FCC de devenir président de la République et d'organiser les élections dans les 60 jours. Et s'il a le temps, il peut encore demander 120 jours. Et pendant les 120 jours, il peut encore tripatouiller les élections pour faire passer quelqu'un de leur obédience pour devenir président et nous aurons encore le FCC au pouvoir. Est-ce que vous imaginez tout ce que vous faites là? C'est encore Tozongi 10 ans. Le jour où le FCC prendra les pouvoirs dans Mboka Nabiso, mes frères, ne vous en faites pas, on prendra encore 15 ans. Bah, on va être à 2 ans parce qu'il va encore violer la loi et que tu as la bangote. Il va encore violer la loi. Comme il y a toujours des opposants prêts à les soutenir, prêts à cautionner leurs bêtises, ils auront encore des opposants, ils vont encore débaucher les gens et on aura encore dans la transition, transition en transition, et on aura encore perdu le temps. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous passez votre temps à détruire Félix, vous gagnez quoi? Moi, je veux dire la vérité aux Congolais. Moi, je ne soutiens pas M. Félix Tshisekedi. Moi, je soutiens l'alternance difficile qu'on a obtenue. Je suis très content de voir que M. Kabila est à côté maintenant. Et je suis maintenant en train de me battre pour que le système Kabila puisse finalement tomber. Mais au niveau du FCC, tout le monde n'est pas démon là-bas. Non. Au niveau du FCC, bon, tout le monde va quitter. Il y a des gens qui ont été cités dans les affaires. Ce sont ces gens-là qui ne doivent plus revenir. Des gens qui ont déjà géré, pour la plupart des cas, bango va signer, va signer, va tout, tout, va signer un document. Parce que pour eux, c'est la survie politique n'a pas des enjeux. Mais ne vous en faites pas, cette lettre, ce communiqué du FCC ne fait pas l'unanimité, pas Nabango Moko. Parce qu'il y a des appétits à servir au FCC. Il y a des gens là-bas qui veulent aussi travailler, qui n'ont jamais travaillé avec Kabila. Maintenant, ils veulent travailler aussi. Eux aussi veulent travailler. Ils disent, c'est notre tour maintenant. Nous sommes du FCC aussi comme eux, nous voulons travailler aussi. Et c'est là que Félix Tshisekedi doit aller poser des voix. C'est là que Félix Tshisekedi doit aller trouver des bateaux. Il dira à Kabila, oui, tu as travaillé avec toute ta bande. C'est bon maintenant. Donne-moi une autre bande de gens. Mais qui viennent que chez toi. Et c'est comme ça que l'on peut créer une génération Fachi. En puisant partout, à gauche et à droite. Félix n'a pas besoin de faire un conflit. Il n'en a pas besoin. Vous êtes des alliés. Alors, pourquoi il va vous faire une guerre? Mais quand il dit nous allons nous battre contre la dictature, pourquoi ça vous gêne? Pourquoi ça gêne quand on dit je me battrai contre la corruption? Pourquoi ça vous gêne? Si vous n'êtes pas corrompu, ça ne peut pas vous gêner? Ça vous gêne parce que vous êtes des corrompus pour la plupart des cas. Ça vous gêne parce que vous êtes des corrompus pour la plupart des cas. Mais mes frères, ne cédons pas à Nabilo Kouana. Ne cédons pas, le Congo a besoin des valeurs. Et quand quelqu'un se lève pour dire nous allons protéger les valeurs, aidez-le. Aidez-le à protéger ces valeurs-là. Aidez-le à protéger ces valeurs-là. Il y a un moment donné de la vie, on dit, hein, on laisse d'abord tomber nos divergences, on regarde dans la bonne direction. Maintenant, Félix veut dire, bon, ok, je vais mettre terme à ça. Mais pourquoi vous ne l'aidez pas à mettre terme à ça? Si réellement, c'est Kabila qui est votre problème. La Mouka a dit ici que non, mais toi, tu as un problème à Félix, toi, le problème, il y a Kabila. Il y a Kabila. Mais aidez Félix maintenant. Maintenant qu'il vous tient, il vous tend la main. Il vous dit, venez, Boya. Je vais me battre contre ça. Mais pourquoi vous ne l'aidez pas à le faire? Si vous avez vraiment besoin que toi aussi, ça et si il y donc, nous avons besoin de pas si un beau côté. Vous ne voyez pas l'occupation tout ça dans le lot. Et c'est un peu de temps, Congolais, Rwandais, un peu de temps, un peu de temps. Et c'est un peu de temps. Et c'est un peu de temps, ce que je veux dire, c'est que Rwandais ne va pas faire ordre dans l'armée Nabino. Et c'est un peu de temps, ce que je veux dire, Libanais ne va pas déranger un peu de temps, mais on ne va pas signer l'économie Nabino. Quel plaisir vous avez, vous avez un Burundais, Nemuta Simbi, régie financière Nabino. Quel est le plaisir que ça vous fait? Parce que nous ici, nous sommes fatigués, Nabino Kouana. Nous voulons que notre douane est de la douane, il y a Congolais. Nous voulons que notre armée est de l'armée, il y a Congolais. Que la police est de la police, il y a Congolais. Que l'économie est de la paix, il y a Congolais. Mais pour réussir ça, mais il faut détruire un système. On ne le fera pas sans casser les œufs. Frère. Tout réfléchir dans nous.
Réfléchissons un peu. J'ai des questions à vous poser aujourd'hui. Combien ont perdu l'argent à cause des magouilles de ce régime? Combien aujourd'hui va bela ba avc ba bela ba problème liko banda kuna ba boto là? Est-ce qu'on comprend ce que l'on veut dire? Est-ce que vous savez combien d'enfants sont dans la rue? Parce que ba tumuko ya mbongo boto li banda kuna bango ba nona bana balabala. Combien de veuves ont pleuré jusqu'à ne rien trouver? Combien de gens ont perdu leur argent? Ben investissement ya minene, likolo ya douane na bino ya mabeoyo, likolo ya administration ya mabeoyo, likolo ya l'état wa foutre mbongo ba tout. Combien de personnes ba na problème wana? Réfléchissons, mes frères, avant de nous attaquer à des gens. Réfléchissons. Le mal du Congo est profond. Il est profond, il faut savoir cela. Combien ont été contraints de fuir ce pays pour leur sécurité? Mais parce qu'on t'a menacé ici. Parce qu'ici, tu n'as pas de vie. Sauf qu'on va te tuer. Si tu rentres au pays, on te tue. À l'époque, c'était, tu ne pouvais plus partir. Maintenant, quand on dit, tu peux rentrer au pays, vivre tranquillement. Vous dites non, c'est pas bien. Mes frères, combien sont partis dans Mbokao, à l'ingarambokao, à Yeming? Mais à Kendaka, parce que tout le monde va permettre à vivre. Et aujourd'hui, on veut déboulonner ce système. Vous n'êtes pas d'accord encore. Oh non, tu l'ingi en côté. Mes frères, combien ont décidé de faire fuir leurs enfants, de mettre leurs enfants à l'abri à cause de l'absence de rêve, du rêve, je veux dire. Et aucun plan de planification. Je me répète, aucune planification. Combien sont partis pour Nelokwana? Seul Dieu sait. Combien ont fui la pauvreté, les injustices, la prédation, les inégalités et les irrégularités que ce régime n'a cessé d'offrir? Combien? Combien ont été empêchés d'investir et de rentrer dans leur pays à cause simplement du désordre de l'administration qu'il y avait ici? Combien ont pleuré leurs frères? Combien ont pleuré leurs sœurs? Juste parce que ces deux personnes, ces gens-là, n'avaient pas le moyen de se soigner. Il n'y a que Dieu et les anges qui savent combien meurent tous les jours dans Zélé Bandundu. Combien meurent tous les jours dans Zélé Matadi? Combien meurent dans ma fleuve, dans ma lac, dans ma balabala, dans ma biso? Parce que le système de transport n'est pas maîtrisé. Et finalement abandonné. Dieu seul sait. Dieu seul sait combien d'enfants sont détournés à cause de la précarité du système éducatif. Dieu seul sait les génocides intellectuels qui ont été faits dans Mboka Nabiso. Nzamba yebi plan. On va s'en aller dans Mboka Nabiso pour aboutir tout un peuple. Seul Dieu le sait. Et les avertis le savent. Le plan qui a été concocté en dehors de notre pays pour venir être exécuté chez nous. Pour appauvrir, pour détruire, pour déstructurer, pour abrutir tout un peuple. Dieu seul sait. Aujourd'hui, vous devenez maintenant les porte-parole du UFCC. Vous relayez le message du UFCC. Vous. Vous qui comptez des morts dans votre famille. Vous. Votre père est à la retraite, ça fait 15 ans, on ne l'a jamais payé. Vous. Non. Non, frère. On est tombé trop bas, franchement. On est tombé trop bas. Dieu seul sait avec exactitude combien il y a eu de morts dans Mboka Nabiso. Nzambe mokoye biango. Je crois que Mobutu nous avait ruinés. Mobutu nous avait appauvris. Mobutu nous avait opprimés. Kabila Laurent nous a finalement asphyxiés avec ses accords et ses alliances inutiles. Et Joseph Kabila nous a euthanasiés. Son régime nous a euthanasiés. Et maintenant que vous avez un autre régime qui vient un autre pouvoir qui vient de s'installer, au lieu de l'aider, ce pouvoir, Evanda, et Tombola, et Megampeko, qu'on changer quelques données, Yambo Kanabiso, tu m'as dit qu'on contredire Yango. Tu m'as dit qu'on contredire Yango, tu m'as dit qu'on tchango bakal, tout bébé c'est Yango, et Koufa, et Beba. On dirait ce qui est bébé, on va perdre. C'est nous qui allons perdre finalement. C'est nous qui allons perdre. Ce pays a besoin de la résurrection, sinon de la réanimation profonde. Il faut réanimer ce pays qui est encore en train de tanasier. Ou il faut le ressusciter tout simplement, ce que c'est à Koufa. Que Dieu vous bénisse tous. Le Congo doit survivre. Et l'amour du Congo, il faut le kanda nabiso, la haine nabiso. Je peux ne pas être d'accord avec toi,
Mais quand je sais que tu as le pouvoir entre tes mains et que tu peux faire quelque chose de bien, je te protégerai pour combattre l'ennemi en question. Gardons notre frère, combattons les oppresseurs. C'est tout simplement ça. On se retrouve très prochainement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez la vidéo. Coupez ça séquence par séquence et publiez dans ma WhatsApp, dans ma Facebook, parce qu'on en a besoin. Entre-temps, je vous promets déjà que le 1er mai, c'est la sortie officielle de notre mouvement, pardon, de notre chaîne YouTube et notre grille de programme que nous allons présenter. Et notre personnel, vous allez voir Homo, Jérémy, on sera tous là ces jours-là et nous invitons tout le monde. Si tu es en Europe et que tu penses que tu peux passer par ici, viens, passe, on est là pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez la vidéo, partagez vraiment la vidéo. Objectif décembre, 100 000 abonnés. Juin ou juillet, 50 000 abonnés. Aidez-nous à atteindre ce montant, ce chiffre-là, on réussira. Homo Fortis était de l'autre côté de la réalisation. J'ai eu Maïkan dit à la supervision. Je vous dis merci beaucoup. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron, on a Apollo ça. Et si Malisouté. Pour moi, comme je suis là, je vais travailler dans Zambé. En tout cas, je vais musique. Donc là, va, y a ma mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à les autres sous-tés. Ah? On a dit, allez, quittez! Polo ça, on a battu ma ligne à la canne. Non, on a qu'un coup là! Là, va! Ah! On a un monde à l'arrange, non? Comment, ok? Ah, ouais, il y a un micro. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a des gens partout en Europe, dynamique, qui sont partout en Europe. Maman Coquette, mon sala est commis sur partout. Tu es commis en Suède, tu es commis à Paris, tu es commis à Nîmes, tu es commis à Bruxelles, et puis base de la vie suédoise toujours Londres, Angleterre. Puisque la dynamique Congo, tu as avancé dans le colo.